Je vous prie de vous lever. Voilà. Madame André, s'il vous plaît. Dans les signes, depuis quelques années, vous avez vu beaucoup de changements dans le monde géopolitique. Mais
Ces changements, c'est l'URSS qui a disparu, le communisme qui s'effondre. C'est également une redistribution du pouvoir. Et cette redistribution du pouvoir, vous devez y participer. C'est maintenant que tout se joue. En effet, depuis la disparition du RSS, les motivations politiques de toutes les puissances économiques ne sont plus seulement basées sur la puissance militaire, mais également sur l'économie et la gestion du pouvoir. À titre d'exemple, vous avez vu ce que les Américains ont dû faire pour garder le pétrole du Koweït. Donc la transparence de la politique mondiale va mettre en évidence l'importance d'un marché unique. Une économie unique va devenir également votre thème pour le futur ou en Asie du Sud-Est. Les Européens ont pris un petit peu d'avance avec le marché commun, la communauté européenne. Et depuis quelques années, vous avez l'ASEAN qui commence à se mettre en place et à stabiliser l'Asie du Sud-Est. Un marché unique commercial, c'est du pouvoir, c'est de l'économie. Pour participer à cette économie, vous ne devez pas être ici, mais vous devez être au Laos dans votre pays. Vous avez tous ici des informations parce que vous avez la chance de recevoir de l'information. Vos familles au Laos ne reçoivent pas d'informations. Vous avez des journaux, vous pouvez lire des journaux, regarder la télévision. Et vous avez ainsi le pouvoir de connaître ce que les autres pays de l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, le Vietnam, ont obtenu en richesse supplémentaire avec le marché économique. Oui, depuis un mois, la Birmanie vient de rentrer également dans l'ASEAN en observation. Et le Cambodge, après les élections de 97 et 98, va certainement y rentrer aussi. Le Laos va devoir choisir très vite sa position. La neutralité économique est toujours possible, mais il faut choisir, parce que si vous ne choisissez pas, un jour le Laos sera une province du Vietnam. Donc il faut être là-bas. Pour choisir le Laos, a besoin d'un vrai gouvernement. Les membres du gouvernement sont peut-être ici dans la salle. Parce que vous avez le pouvoir de décider, vous avez le pouvoir de
la liberté d'information, et toutes ces libertés vous donnent du pouvoir. Ce pouvoir, vous devez l'utiliser parce que vos familles ou la vôtre n'ont pas ce pouvoir. Alors, si vous avez du pouvoir, c'est très bien. Le pouvoir, ça donne des obligations. Et avoir des obligations, c'est surtout d'agir envers ceux qui n'ont pas de pouvoir. C'est vos familles qui sont là-bas au Laos, qui n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de possibilité de bouger tout seul. Et c'est vous qui êtes obligé de les aider. Et je pense que ce sera avec une action commune aujourd'hui que vous arrivez à avoir vos frères et vos familles avec vous et que vous pouvez retourner dans votre pays et rentrer dans l'économie mondiale et y participer et ne pas regarder. Je pense de tout cœur que nous aurons encore des fêtes comme celle-ci. J'espère vous revoir tous et même plus nombreux à ces fêtes, mais je serai beaucoup plus fier de vous voir l'année prochaine au Laos. Merci beaucoup. ขอบคุณมากครับ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 คร
สังวิทาปุกกายปะปะปามะตุปะติมะสังอังคุเตสะสุเนมะพุจจะนัมปิเดสะทาภะคะวาพุทโธนะโมพุทธายะยะทะพุทโธนะมะอังคุอะมะนะมะนะนะก็ละกันนะกะนะกะยิกะทะวะกะมะยะอิมะอ้าวไสยสนะแล้วก็เป็นข้อของท่านสาธุนิโรธ